très enthousiaste, Eva Serrano, qui, dans la minute 30 qui va suivre, va jouer la médaille d'argent de ce tournoi international. Avec un ballon qui est un enchaînement nouveau, qui a été travaillé cette année, en l'an 2000, comme les autres engins d'ailleurs. Quatre styles différents, qui est en fin de compte le style à Eva Serrano. Très expressive. Très beau rattrapé en grand renversement. Je les suis des petits pas avec nombre de déboulés. Du bout des doigts. Oui, très beau final avec une difficulté supérieure. Je pense que Eva Serrano va obtenir de haute lutte la médaille d'argent. Ah oui, dans ce tournoi international de Corbeil-Essonne, ce qui serait l'une des plus belles performances de sa carrière, car elle obtiendrait la médaille d'argent derrière Alina Kabayeva. À quelques centièmes, mais bien mérité, vraiment très très mérité. Elle a tout de même obtenu un 10. Et là, oh, ça devrait être en tout cas supérieur à 9,95, je pense. Ah oui, largement. Vraiment, largement. Et comme elle avait une marge intéressante, notamment sur Yulia Raskina, défaillante au ballon tout à l'heure, je pense qu'Eva est très proche de... Oui. Elle a vraiment toutes ses chances. Et encore une fois, ne vous y trompez pas, ce tournoi international de Corbeil-Essonne réunit le même plateau qu'il y aura à Sydney dans 6 mois. Avec les 15, le fameux top 15.